Le géant chinois BYD annule son projet au Maroc et projette de construire la plus grosse usine de batteries de lithium d'Afrique en Algérie. Oublie pas de t'abonner. L'Algérie conserve son leadership au Maghreb de pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers. L'ogre chinois BYD avait pour projet de se développer en Afrique pour développer ses usines de batteries de lithium et déployer ses voitures sur le continent africain. Les Chinois avaient trouvé un accord avec le Maroc pour implanter une des plus grandes usines de batteries de lithium d'Afrique. Cependant, l'entreprise chinoise a tout annulé ces derniers jours, estimant que le pays est trop pauvre pour acheter ses bus électriques et que dû à la pauvreté du Maroc, la transition électrique dans le transport en commun va être trop longue. L'entreprise chinoise BYD se tourne maintenant vers l'Algérie, estimant que le projet est plus fiable dans ce pays. La stabilité économique de l'Algérie est un gage de qualité pour le constructeur chinois. L'Algérie est le pays le plus attractif du Maghreb pour les investisseurs étrangers. Énormément d'entreprises souhaitent s'installer en Algérie, seulement ils sont filtrés au compte-gouttes. Si l'Algérie subit des attaques actuellement, c'est pour cette raison, l'Algérie va récupérer tout le business et le tourisme dans la région et ça effraie des... un pays du Maghreb. Pour rappel, BYD est le futur leader mondial de la voiture électrique. L'entreprise est présente depuis plus de 10 ans et a pour projet de littéralement inonder la planète de ses voitures électriques à des prix abordables. À côté, la production de Tesla est minime. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Oublie pas de t'abonner.